Construire une école en 21 jours, cela vous semble impossible? Eh bien, c'est un exploit réussi par les employés de MTN Cameroun. Pas une fois, pas deux fois, c'est devenu une tradition. Chaque année, dans le cadre de leur programme de volontariat 21 Days of Yellow Care, les employés de MTN ont pris l'habitude de construire des salles de classe en 21 jours. Construire une école en 21 jours. La première expérience avait été réussie à Bouya en 2009. L'école primaire CBC Dibanda à Mile 16 était un vieux bâtiment en planches. Il pleuvait sur les élèves en saison de pluie. Les employés de MTN ont décidé de s'engager pour donner à la localité de Dibanda une école digne de ce nom. Ils se sont improvisés en maçons, charpentiers et menuisiers, travaillant jour et nuit pour changer le visage de l'école. En 21 jours, la vieille bâtisse avait laissé place à une école moderne constituée d'un bâtiment administratif et de 6 salles de classe équipées de tables-bancs. Depuis, l'exploit de Dibanda à Bouya en a appelé d'autres. En 2012, la situation de l'école primaire publique de Wafango, à une quarantaine de kilomètres de Garoua, est portée à la connaissance des employés de MTN. Les cours sont dispensés sous des huttes où les élèves sont assis à même le sol ou sur des troncs d'arbres. À MTN, on se mobilise. Les employés se cotisent et sollicitent leurs partenaires et parviennent à réunir des ressources nécessaires pour construire une école digne de ce nom. 21 jours de travaux acharnés plus tard, les cabanes avaient laissé place à de beaux bâtiments qui accueillent aujourd'hui les élèves de Wafango. Nouvel exploit en 2014. Les employés de MTN construisent des salles de classe à Gado dans la région de l'Est pour faciliter la scolarisation des enfants de réfugiés fuyant la guerre en Centrafrique. Ils construisent également des logements pour les enseignants du lycée de Manoka, dont certains résidaient à Douala et étaient contraints de traverser le Vouri pour aller dispenser leurs cours. 21 jours pour changer la vie des autres. Chaque année, au mois de juin, les employés de MTN se mobilisent pour venir en aide aux plus défavorisés. Ils le font à travers le programme des 21 Days of Yellow Care. Ils donnent de leur argent, de leur temps, parcourent de longues distances et bravent parfois des intempéries pour améliorer les conditions de vie des communautés. Ce n'est probablement pas assez, vu l'ampleur de la tâche. L'aventure continue, toujours passionnante, d'année en année.